Action La France, où réside Ahmed Moussaoui, ce jeune talentueux de 20 ans et quadruple champion de France en boxe. Initié à ce sport par son père, qui le soutient toujours, cet originaire de Nador est actuellement boxeur professionnel. D'après son entourage, il constitue un bon exemple à suivre. Je m'appelle Ahmed Moussaoui. J'ai maintenant, on va dire aujourd'hui, je fête mes 20 ans. Je suis domicilié à La Verrière, dans le 78, près de Trappes. Puis voilà, je suis actuellement boxeur professionnel. Je suis de Nador, de la province de Nador, un petit village, pas loin du centre-ville. Puis voilà. Et j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans. C'est mon père d'ailleurs qui m'a incité à faire de la boxe, puisqu'il aimait bien le sport. Donc j'ai commencé pour le plaisir. Puis ensuite, c'est vraiment rentré dans le sang, on va dire, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Puis voilà. Donc, je suis passé amateur à l'âge de 14 ans. J'ai fait beaucoup de combats en amateur, surtout en international. J'ai fait 62 combats en amateur. Bon, après, j'ai fait beaucoup de tournois à l'étranger, en Pologne, en Allemagne, en Roumanie. J'ai un peu fait le tour, on va dire. Après, bon, il y a les grandes échéances qui sont venues, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et grâce à ça, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a permis de... Ce qui m'a incité, on va dire, à passer professionnel. Et comment dire, je ne regrette pas d'être passé professionnel. Et maintenant, voilà. Après, moi, je vais faire comme les grands champions, comme les Oscar de la Hoya, les Pacquiao, les Mayweather. Voilà, c'est mon chemin. Et puis, je pense que je suis né pour faire de la boxe. Nous sommes chez mes parents, dans les Yvelines, à La Verrière. Je suis toujours domicilié chez eux. Et puis voilà, mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils sont vraiment avec moi. Et puis je les remercie encore du fond du cœur. Comme on peut apercevoir, plusieurs médailles ici que j'ai gagnées et des coupes là-haut. Bon, après, plein de médailles que j'ai gagnées dans des tournois internationaux, dans les championnats de France, dans des rencontres internationales. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Mohamed Lamrani, je suis élu sur la ville de La Verrière depuis maintenant 2 mandats. Donc je voudrais apporter un témoignage à propos du jeune talentueux Ahmed Moussaoui, qui est vraiment notre fierté sur la ville. Donc Ahmed, déjà tout petit, il sortait un peu du commun parce que c'était un jeune dynamique qui aimait le sport, vif, etc. Donc effectivement, il a poursuivi son cursus, je dirais, d'une manière naturelle, qui l'a amené à faire de la boxe, qui n'est pas un sport facile. Il a vraiment montré ses talents et accédé à un niveau supérieur déjà, puisque au niveau du club de La Verrière, il a commencé il y a maintenant une dizaine d'années. Il avait été repéré par différentes personnalités dans le domaine de la boxe qui déjà lui prédisaient un avenir grandissant. Donc aujourd'hui, Ahmed Moussaoui est devenu quadruple champion de France et professionnel. Donc c'est vraiment une fierté et un exemple pour la jeunesse marocaine à suivre. Et je pense qu'il ne s'arrêtera pas là puisque par rapport à son âge, par rapport à son envie, sa motivation, je pense qu'il ira... très très loin. Mes objectifs, pour cette année seraient d'être champion de France à la fin d'année. Après, mes projets, d'être champion du monde. J'espère d'ici 3-4 ans maximum. Enfin, ce serait mon rêve. Après, des objectifs, des projets plutôt. J'aimerais bien être plusieurs fois champion du monde et après vraiment faire mon école à moi, de créer ma propre créer mon propre club à moi et puis voilà, m'installer près de ma famille et puis toujours rester dans le milieu de la boxe. Le niveau au Maroc en boxe anglaise commence à se développer puisque ils ont créé une fédération professionnelle
Voilà pour les boxeurs pros. Après, maintenant, en amateur, c'est vrai qu'ils sont pas mal et tout. Il y a vraiment des bons boxeurs. En plus, quand j'étais en amateur, moi, en 2007, ils ont organisé, le Maroc, ils ont organisé les championnats du monde au Maroc. Ils ont organisé en 2007 à Agadir. Et moi, comme j'étais un peu plus. Un peu assez. Comme j'étais un peu trop jeune pour les faire, donc. Je les ai pas fait, mais ça, franchement, ça serait magnifique si j'aurais fait en plus les championnats du monde dans mon pays. Bah, je les ai pas fait puisque j'étais un peu trop jeune, mais bon, j'ai quand même fait la préparation avec mes amis qui les ont fait. Et puis voilà. Bah, le seul boxeur que. Enfin, le seul. On va dire le seul et pour moi le meilleur jusqu'à présent, marocain, ça a été Khalid Raïlou. Donc, il a eu un parcours assez exceptionnel. Il a fait champion du monde. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que voilà, il a fait des choses que peu de personnes n'ont fait au Maroc. Et ça, voilà, j'apprécie beaucoup et j'aimerais vraiment suivre le même chemin que lui. Bah, le Maroc, c'est ma terre et puis c'est là-bas que je vais voir ma famille. Donc, je passe tous mes étés là-bas pratiquement. Donc, je passe beaucoup de moments, des moments que je pourrais jamais oublier dans ma vie parce que bon, il y a eu des moments durs comme des moments de joie. Puis voilà, je pourrais vraiment pas oublier le Maroc, c'est mes terres et c'est là d'où je viens. Pour moi, la double culture, on va dire que c'est une richesse. Puisque je n'appartiens pas à un pays, je suis français comme marocain, je suis international et après, je peux pas dire vraiment que j'appartiens à un pays. Maintenant, c'est vrai que j'ai porté les couleurs de la France, mais j'aurais pu très bien porter les couleurs du Maroc. Maintenant, voilà, j'ai fait des choix et c'est pas forcément. Bon, après, voilà, ça reste mes choix et puis voilà. Mais de toute façon, je suis vraiment un 50-50 marocain comme français et je suis fier de l'être. Le Maroc actuellement, c'est un pays développé dans plusieurs domaines. Et puis je trouve que c'est un pays qui est vraiment riche, qui a une très belle culture. Maintenant, le Maroc, ça commence à devenir un pays vraiment, on va dire, entre guillemets, réputé. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent. Bon, touristiquement, on sait que je pense que c'est le pays le plus. C'est le pays le plus touristique du Maghreb, je pense. Enfin, il me semble, si mes souvenirs sont bons. La France, c'est le pays qui a accueilli ma famille, tout d'abord. Donc, on va dire que c'est le pays qui m'a élevé, entre guillemets. C'est un pays qui a une grande histoire, qu'on étudie beaucoup à l'école, bien sûr. C'est important de la connaître, l'histoire aussi. Moi, je la connais. Et puis, bien sûr, il y a une très bonne culture aussi, faut pas l'oublier. C'est comme le Maroc. Enfin, chaque pays a sa culture et son histoire. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un pays vraiment en difficulté, on va dire. Ils sont vraiment surendettés. Ils ont plus de 2 000 milliards de dettes. Donc, que dire? Maintenant, je me demande si c'est pas une inversion. Parce qu'avant, c'était plutôt les gens du Maroc qui venaient s'installer en France. Maintenant, je me demande pas si. Les Français vont s'installer au Maroc. Et c'est actuellement, je pense, ce qui se passe, d'un côté pour les investisseurs et d'un côté, pour les particuliers. Bien sûr que j'ai envie d'investir au Maroc. Après, beaucoup de personnes veulent investir. Maintenant, je sais que j'ai mes projets dans la tête. Maintenant, j'en dirai plus par la suite. Mais sache que j'ai beaucoup de projets dans plusieurs domaines, effectivement.
tant bien sportif que dans l'immobilier. Après, maintenant, je peux pas tout vous dévoiler, mais sache que j'ai vraiment beaucoup d'objectifs et de projets. Après, maintenant, j'espère que tout va bien se passer dans ma carrière pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je passe un grand bonjour à ma famille, voilà, je vous aime et je vous embrasse très fort, je pense à vous. Et pour tous les Marocains, je vous passe un très grand bonjour. Si vous avez des rêves, battez-vous et j'espère que vous les atteindrez. Serrez vos coudes et foncez, j'espère que vous y arriverez.